Le lien qui existe entre Fumban et l'islam est que tous les Bamoun sont frères. On est de même race, on est de même tribu. Le lien est que le sultan, sa majesté, le roi Njoya, a pris l'islam entre ses mains. Et tout ce que le sa majesté, le sultan roi de Bamoun prend, c'est que tous les Bamoun vont s'adhérer. Disons 90% des Bamoun dans l'islam, c'est à cause du sultan, le sultan, sa majesté, le roi Njoya, qui avait pris l'islam entre les mains de Foulbé. Entier. Donc un très grand plaisir et j'étais aussi très sensible aux mots à la fois du grand imam et du sultan dans son discours, des mots de tolérance et d'appel à une très bonne cohabitation entre les religions et à la paix. Donc, le mouton représente la victoire, l'obéissance de Dieu. Donc, à l'occasion de cette fête, ce que je peux souhaiter et ce à quoi j'invite tous les frères musulmans et musulmans, c'est l'obéissance à Dieu, c'est aimer son prochain comme soi-même, puisque c'est la base même de la religion islamique, l'islam qui est la paix. Nous invitons tout le monde à toujours préconiser la paix dans le monde, la paix, quel que soit l'endroit où l'on se trouve. Thank you.